Salut à toutes et à tous, c'est Tizo en ce mercredi 14 mars pour vous présenter le clip du jour. Alors j'ai dû fouiller un petit peu dans les archives de ce ODQG pour trouver deux clips puisqu'on n'avait pas grand chose pour aujourd'hui. Et j'ai trouvé deux petits clips bien sympathiques au fusil d'assaut, donc je pense que ça vous fera plaisir pour changer un petit peu du sniper. Alors sans plus attendre, c'est parti. Notre premier clip se déroule sur la map bootleg avec le genre US Jérémy et regardez ce qu'il nous fait. Une magnifique quad feed pour débloquer sa MOAB. On le revoit au ralenti, il voit les ennemis au loin, drop shot, donc il s'allonge avec beaucoup de sang-froid. Franchement, c'est très très rare de voir ce genre de clip pour un déblocage de MOAB. Bien joué à toi, Rémi. Deuxième clip avec le joueur Martiou92. Alors cette fois-ci, c'est en élimination confirmée. Alors regarde ce qu'il nous fait, hop, gentiment, il vient coller sa petite Semtex pour faire une doublette. Il est avec le MK14, un premier kill en headshot. Mais compte vraiment pas s'arrêter là, il est en élimination confirmée comme vous le voyez. 1, 2, triple feed, gentiment, et là regardez, hop, drop shot, il se relève, 2 kills, 3 kills, il recharge, il récupère les plaques, 5 et 6, 11 kills en très peu de temps sur PC, donc très bien joué à toi, Martiou92. Alors j'espère que ça vous a fait plaisir, ces deux petits clips en ma compagnie, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de les commenter. Très important, vendredi, top 10, First Blood. Donc, qu'est-ce qu'un First Blood? C'est un premier sang. Donc, tous les clips que vous avez, vous faites le premier sang de la partie. Que ça soit une quad feed, par exemple. Ça commence par le premier sang, suivi d'une quad feed. En tout cas, voilà, avoir le premier sang à n'importe quelle arme. Et puis, envoyez-nous ça très rapidement à codxqg@gmail.com. Deuxième petite annonce concernant Miss Nalex, voilà, je sais que pas mal d'entre vous la réclament souvent dans les commentaires, ne vous inquiétez pas, elle sera de retour dès la semaine prochaine, elle avait des petites obligations personnelles qui faisaient qu'elle ne pouvait pas être disponible. Voilà, c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine, allez salut tout le monde, ciao.